Venez, crions de joie pour le Seigneur, alléluia. Acclamons le rocher qui nous sauve. Seigneur, acclamons le rocher qui nous sauve. Allons devant lui en action de grâce. Au son des musiques, acclamons-le. C'est un Dieu grand que le Seigneur, un roi grand par-dessus tous les dieux. En sa main sont les creux de la terre, et les hauts des montagnes sont à lui. C'est lui qui l'a faite, la terre ferme, ses mains l'ont façonnée. Entrez, couvrons-nous, prosternons-nous, à genoux devant le Dieu qui nous a fait. Le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Tu as délivré les captifs de la mort.
psaume 27. Psaume 47.
justice, le mont Sion jubile. Les filles de Judas exultent devant tes jugements. Que lui est Dieu, notre Dieu au siècle des siècles, lui nous conduit. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur. Cantique de l'Exode, page 247. Je veux chanter pour le Seigneur, superbe sa victoire. Cheval et cavalier, il le jette à la mer. Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles. Capitaine sombré dans la mer rouge. Les abîmes les recouvrent, ils ont coulé dans les bas-fonds. Ta droite, Seigneur, magnifie dans sa force. Ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi. Dans l'infini de ta victoire, tu abats tes adversaires. Au souffle de tes narines, les flots se sont dressés pareils à une digue. Les abîmes se figent au fond de la mer. L'ennemi s'était dit : je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, mon âme s'en gardera. Je tirerai mon épée, je ferai ma chaîne ta fureur qui les consume comme paille. Tu as soufflé ton haleine, la mer les a couverts. Ils ont coulé comme du plomb dans les eaux redoutables. Qui est comme toi, Seigneur, parmi les dieux? Qui est comme toi, magnifique en sainteté? Conduit par ton amour ce peuple que tu rachetas. Tu le guides par ta puissance vers tes saints pâturages. Tu l'aimeras et porteras sur la montagne ton héritage, au lieu dont tu fis, Seigneur, ta demeure. Au sanctuaire, Seigneur, qu'on prépare. Psaume 145. Christ ressuscité des morts, alléluia. Christ
De Saint-Irénée de Lyon au IIe siècle. Si la coupe qui a été mélangée et le pain qui a été confectionné reçoivent la parole de Dieu et deviennent l'Eucharistie, c'est-à-dire le sang et le corps du Christ, et si par ceci se fortifie et s'affermit la substance de notre chair, comment peut-on prétendre que la chair est incapable de recevoir le don de Dieu consistant dans la vie éternelle, alors qu'elle est nourrie du sang et du corps du Christ et qu'elle est membre de celui-ci, comme le dit le bienheureux apôtre dans son épître aux Éphésiens. Nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. Et de même que le bois de la vigne, après avoir été couché dans la terre, porte du fruit en son temps, et que le grain de froment, après être tombé en terre et s'y être dissous, ressurgit multiplié par l'Esprit de Dieu qui soutient toutes choses, ensuite, grâce au savoir-faire, ils viennent en usage des hommes, puis en recevant la parole de Dieu, ils deviennent l'Eucharistie, c'est-à-dire le corps et le sang du Christ. De même, nos corps, qui sont nourris par cette Eucharistie, après avoir été couchés dans la terre et s'y être dissous, ressusciteront en leur temps, lorsque le Verbe de Dieu les gratifiera de la résurrection pour la gloire de Dieu le Père. Car il procurera l'immortalité à ce qui est mortel et gratifiera d'incorruptibilité ce qui est corruptible, parce que la puissance de Dieu se déploie dans la faiblesse. Thank you.
Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Moi, je suis le pain de vie, dit le Seigneur. Qui vient à moi n'aura jamais faim. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après avoir multiplié les pains, Jésus disait à la foule des Juifs : Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit : vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Car la volonté de mon Père, c'est que tout homme qui voit le Fils et croit en lui obtienne la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères et souvenir de son alliance sainte. Seulement je vais être Père de nous donner qu'à franchir de la crainte et délivrer des mains de l'oppresseur. Toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras son peuple le salut en rémission de ses péchés. Sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rendons grâce au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs. Sanctifiez-moi, Sanctifiez-moi, Sanctifiez-moi,
Nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Viens au secours de ta famille, Seigneur, sois généreux pour elle. Tu lui as donné la grâce de la foi, accorde-lui aussi une part dans la résurrection de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons.